Oh, t'es là. T'as cliqué sur cette vidéo. Eh ben, c'est que tu dois avoir rien d'autre à foutre. Ou alors c'est que t'es un petit curieux, va savoir. Ah bah ça commence bien. Ah, enfin bref, aujourd'hui je vais te raconter ma life. Mais putain, t'es un vrai escroc. Quoi? C'est mon nom que t'as mis sur la vidéo. Les gens s'en foutent de toi. Ouais, ben j'y viendrai une seconde, il y a certaines étapes à expliquer avant. Et putain, je t'ai déjà dit d'arrêter d'utiliser ce transformateur vocal. Enfin bref. Commençons, bah, au tout début, quoi. Je venais de finir une fac de journaliste et mon but dans la vie était de devenir, bah, journaliste. Je rêvais d'être le présentateur d'un journal parlé sur la télévision belge. J'ai postulé à plusieurs chaînes télévisées de Belgique. Mais aucune ne m'accepte. Ouais, se disant j'étais trop arrogant et vulgaire. Quoi? Bref, je n'avais pas remarqué, mais lors de tous mes entretiens d'embauche aux différentes chaînes télévisées, un homme avec un long manteau noir, une cagoule sur la tête, des lunettes de soleil et un chapeau m'observait dans le coin. Une nuit, alors que j'étais en train de méditer. Ouais, tu parles, t'étais en train de te saouler en terrasse. Ouais. Un homme s'est invité à ma table, me disant qu'il pouvait me donner le poste de mes rêves sur une chaîne télévisée très particulière. Et pourquoi particulière? Parce qu'elle n'existe pas dans notre dimension. Bon, je peux raconter, merci! Et putain, je t'ai dit quoi avec ta voix? Bah, laisse-moi m'amuser un peu, ça me rappelle la bonne époque. Donc, pour me rendre sur place, il me donna une nanotechnologie qui me permet de passer entre notre monde et ce fameux monde parallèle. Et je la plaça dans un objet auquel je tiens beaucoup. Monde parallèle! Bah quoi? Faut vraiment être un scénariste de merde pour utiliser cette pirouette. Ta gueule. Et dans ce monde, tout était mélangé. Il existait des villes comme Barsarum, New London, et évidemment Parcelles, la ville où j'allais travailler. Et dans cette ville, il se passait rien. Ah non, je vous jure, rien! Les gens vivent normal, pas d'accident, pas de meurtre, rien du tout! Ah, attends, y a quand même eu ce mec qui est arrivé une fois en retard à son travail. Ah, ouais. C'est vrai qu'il faut quand même que je vous parle de leurs lois. Et surtout de leur peine capitale. La moindre infraction, que ce soit excès de vitesse, retard au travail ou insulte envers des gens, ça peut vous mettre direct à la peine capitale. Et cette peine capitale est... D'être stagiaire. Putain, Régis! Ça va, ils avaient compris, mec. Et les maîtres de stage ont droit de vie ou de mort sur leurs stagiaires. Et ce trip m'a rendu carrément sociopathe. J'y ai pris goût. Je pouvais plus m'en passer. Lorsque j'ai été engagé, le but était de faire un journal parlé parodié et raconter des news complètement fake. D'où le nom de ce journal, j'imagine. Mais c'est alors que j'eus une idée de génie. Et cette idée était de chroniquer de vrais articles, mais provenant de ma dimension. Et c'est à ce moment précis que mon génie opère. J'y viens justement. Régis, lui, n'avait aucune idée de ce qu'on faisait avec Internet. Et quand je lui ai montré l'univers des plateformes de partage vidéo, eh bien, un projet commença. Conserver les rushs des émissions de TV Parcelles pour les modifier et les publier sur Internet. Car dans ce monde, Internet n'avait que deux fonctions. Les mails et les news. C'est-à-dire... Tout s'était bien passé durant ces deux premières années. Et la deuxième saison allait bientôt commencer. Putain, tu fous quoi, mec? Ah, ça se voit pas? Je suis super occupé là. Joli. Merci. Bon, mec, tu sais quel jour on est? Bah, j'en sais rien, moi, on est au mois d'août. Bah, j'en sais rien, moi, c'est les vacances, y a pas de semaine ni de jour durant l'été. Ouais, bah non, on est déjà en septembre. Tu vas? Donc, ça veut dire qu'on reprend. Allez, prépare-toi, on va à Parcelles. Non. Tu tiendras pas sans tuer. Bon, ça va, tu sais, hein, je me téléporte quand je veux. Mais tu peux pas tuer les gens s'ils sont pas stagiaires. Oh, mais t'inquiète, avec ma réputation à TV Parcelles, maintenant, les employeurs, ils me voient arriver, ils me demandent de le faire pour eux. Ok. Tu veux quoi? Une Switch. Sois réaliste! Bah quoi? Mec! Ok. Trois choses. Tu me fais peur. Un nouveau décor. Ouais. Sinon, je reste ici, hein. Ok, quoi d'autre? Que tu participes au sketch d'illustration avec moi. Ah, et pour finir en gonzesse comme ton pote qui ressemble à une fille? Ah bon, d'accord. Et une fois qu'on sera là-bas, plus de masque et plus de synthèse vocale. Non, tu peux pas me demander ça. Bah, tu choisis, mec. Mais là, je peux pas, justement. Si je me cache, c'est pour préserver ma vie privée. T'imagines si je dois changer de taf et que mon futur boss me voit faire un sketch d'illustration d'article? Ok, laisse-moi le temps et une fois au studio, ça ira. Très bien. Bon, bah, tarde pas, hein.
Régis ! Enculé, gueule pas si fort ! C'est quoi ça ? Enlève ça. Ça aussi. Tu casses les couilles. Bon, quoi ? Ah, regarde ça ! Bah tu voulais du changement, non ? Fallait être précis. Espèce de fils de... p...